Depuis 2008, finalement, toutes les affaires qui sont sorties, et Dieu sait si je les ai suivies, j'ai écrit un livre sur l'évasion fiscale, ont concerné exclusivement la place financière suisse. Je ne pense pas qu'il y aura des French Leaks ni des American Leaks. Mmh. Or, comme disait mon confrère, monsieur l'Allemand, qui est sur votre plateau, au total, il doit y avoir 20 000 à 30 000 milliards d'avoirs défiscalisés dans le monde. HSBC, c'était 180 milliards. La Suisse tout entière, si on est généreux et qu'on inclut les personnes physiques, les comptes de personnes physiques et les comptes de sociétés derrière lesquels se cachent des personnes physiques, on arrive à 2 000 milliards. Or, je vous disais, il y a 20 000 à 30 000 milliards d'avoirs défiscalisés dans le monde. Et plus grave que ça, il y a chaque année environ 1 500 milliards d'avoirs blanchis à travers le système bancaire mondial.